Aujourd'hui, nous allons parler de Yanni et il n'y en a pas d'autre. Yanni, c'est 382 vidéos pour mélomanes purs et durs. Et bien entendu, il y a un PDF qui est offert. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons entrer directement dans le sujet, mais avant tout, je m'excuse pour le son pourri que vous pouvez peut-être entendre. Parce que ça ne marche pas comme j'aimerais avoir. Voilà, nous sommes avec Yanni. Et Yanni, c'est le musicien que j'aime le plus au monde. Donc, alors, je suis directement dans sa chaîne YouTube. Et Yanni, his purest form. Donc, Yanni, c'est 1 890 000 abonnés. Nous sommes dans l'accueil et nous allons voir ce qu'il a dans l'accueil. Yanni. Yanni, c'est le total lifetime, les vues, c'est 483 millions de vues. Il a 382 vidéos. Alors là, ce que je suis en train de faire, je vais vous offrir un PDF qui va comporter tous les 382 vidéos que vous pouvez écouter, regarder à votre aise. Je vais vous montrer comment un peu plus tard. OK? Voilà. Je continue. Last 30 days, les derniers 30 jours, c'est 9 330 000 vues. C'est seulement dans un mois. Avec seulement une vidéo. Vous avez vu la chose. Il est époustouflant ce mec. Moi, je l'aime énormément parce que je vais vous raconter un peu comment j'ai vu comment il travaille. Voilà, je suis sur le graphique, comment ça marche pour lui. Donc, moi, c'est le bleu. Je n'existe pas. Hein. À côté de lui, je n'existe pas du tout. Et là, le pic, le plus petit pic, c'est le 13 juillet. Le 13 juillet, c'est 183 000 vues. La seule journée du 13 juillet. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Et le pic pour les 30 derniers jours, le pic le plus haut, c'est en juillet, le 14 juillet, fête nationale française, c'est 441 000 vues. Énorme. Vous avez vu? Donc, bon, alors, je passe ici, c'est les mots-clés, c'est mots-clés, tout ça. C'était le deuxième point dont je voulais parler, j'allais l'oublier, c'est que je ne peux pas vous faire écouter dans cette vidéo les musiques de Yanni. Parce que je ne cesse pas de le dire et de le redire, c'est interdit par YouTube. Si jamais vous passez une musique une vidéo où vous n'avez pas le droit de la reproduire, vous êtes foutu avec YouTube. OK? Et là, bien entendu, il y a les vidéos qui sont récentes, recent uploads, tout regarder, si vous voulez regarder ça. Alors, vous appuyez ici, vous allez voir toutes les nouvelles vidéos. Là, il est en train de vieillir, mais c'est normal. Le plus jeune était très, 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 très beau. Et vous avez ici toutes ces musiques, les récentes vidéos à lui. Voilà. Et puis, vous continuez. Ça, c'est. Vous êtes dans l'accueil. Hein, enregistrez ça dans votre tête. OK? Dans l'accueil. Alors, les vidéos les plus populaires, c'est ces morceaux de musique. Voilà. C'est là, partout, 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 il est extraordinaire. Là, c'est en Égypte, il s'est reproduit un peu partout. Il y a toujours énormément de monde qui le suivent. Ici, c'est Yanni sous-titré en plusieurs langues. Tout regardez. Voilà. Elles sont là. Là où il y a des sous-titres, là il est avec un musicien indigène d'Australie, extraordinaire.
Et là, bon, c'est Annie, les performances classiques. Ça, c'est son meilleur violoniste. Là, il est avec un japonais spécialiste de synthétiseur. Là, il est avec un, c'est pas, il est colombien, enfin, de l'Amérique latine, ou qui danse avec deux bâtons dans les mains et le claquement des pieds, extraordinaire. C'est un trompettiste extraordinaire aussi, lui aussi, c'est un grand, bien sûr, pianiste. Et puis, ça, c'est Yanni dans sa forme la plus pure. Donc, c'est des épisodes, des suites. Ici, c'est dans l'acropole, plus d'autres choses. Voilà. C'est en direct de Royal Albert Hall. Bien sûr, il y a une suite. Toujours, il faut appuyer sur la flèche ici pour voir la suite, ok? Alors, ça, c'est un événement de concert original. Il y en a énormément. Oui. Là encore, c'est bien sûr Yanni, l'événement de concert. Voilà. Et puis, je vais passer à mes 382 vidéos que je vous recommande. Je vais vous donner, bien sûr, le lien dans un PDF. Vous cliquez et vous allez rentrer directement ici, là, vidéo, et c'est là. Donc, les 382 vidéos, elles sont toutes là. Toutes là, toutes. Vous choisissez ce que vous voulez et vous regardez. Hein. Sont toutes là. Toutes. Vous parcourez, vous regardez, vous lisez si ça vous parle. Et puis, vous regardez. Je vous assure que c'est un grand régal. Ça, c'était l'ancienne violoniste. Je pense une américaine. C'est aussi. Très très forte aussi. Et pendant que je défile moi toutes ces vidéos, moi je vais vous dire comment j'ai senti, comment il travaille. Lui, jeune, beau, un grand, il écrit de belles musiques, il est grec, mais il a une quand même un esprit plus internationaliste que seulement grec. Et sa force, c'est qu'il est au-delà d'être un très grand compositeur. Lui, il a fait un truc que les autres ne font pas. Alors, tous ces gens-là qui travaillent avec lui, tous, ils sont des cas exceptionnels. C'est de grands violonistes, de grands instrumentalistes, hein, en général. Et il fait ses compositions, ses musiques bien bien travaillées. Il s'occupe de l'orchestration, mais il fait intervenir ses musiciens, par exemple le violoniste, le pianiste, le saxophoniste, tout ça. Et ces gens-là, ils peuvent sortir de leur instrument une musique qui va plus, qui va au-delà de ce que peut penser Yanni lui-même, parce que ce sont vraiment des virtuoses de chacun dans son instrument. Vous avez compris. C'est-à-dire, lui, il va composer un morceau pour ce saxophoniste. Bien entendu, lui, il s'y connaît en musique, mais il s'y connaît pas autant que le grand saxophoniste qui travaille avec lui. Et quand il lui donne son morceau à jouer, bien entendu, l'autre, il va sortir, il va faire mieux que ce que Yanni a fait. Ça, c'est extraordinaire. Si j'ai c'est pas moi, mais si j'ai un conseil à donner, par exemple, aux musiciens, même si je suis pas musicien, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut créer quelque chose et puis il faut déléguer au meilleur sur la place, pendant l'exécution. Moi, je continue bien entendu à défiler les vidéos, les 382, je pense, vidéos. Je continue à les défiler. Vous avez largement le temps de tout regarder.
Alors, je reviens à Yanni. Yanni, quand il fait ça, c'est normal qu'il devienne l'un des, ou sinon l'un des plus grands musiciens du monde. Alors que les autres vont appeler des gens qui sont moins bons que ces gars à lui. Vous avez compris? Voilà. En plus de ça, puisqu'il travaille avec l'internat dans le cadre de l'international, puisqu'il va faire appel à des Américains du Sud, des Européens, des Australiens, un peu de tout. Le gars est très 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 intelligent aussi. Et il va faire des morceaux, il y a très peu de chansons, mais c'est surtout pour lui, c'est pour les mélomanes qui aiment la musique. Et ça vous étonnera pas de voir énormément de monde qui le suivent, parce que c'est un grand maître de la musique. Et le fait de faire appel à des gens qui sont vraiment virtuoses de tous les pays, mais ça lui donne justement ce cachet, cette étiquette du musicien le plus international de tous, vous avez compris. Et qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il joue un morceau et qu'il fait intervenir à chaque fois un instrumentaliste, quelle que soit sa fonction, les autres, ils contribuent, même s'ils ne jouent pas, ils contribuent par leur encouragement à l'instrumentaliste. C'est-à-dire qu'ils sont contents de l'écouter, ils l'encouragent, et puis ils sont contents, ils sont vraiment, ils donnent l'impression d'appartenir à une équipe, à un groupe, à une communauté de musiciens, que vous ne trouverez jamais nulle part. Est-ce que vous avez compris? Ça, quand vous allez le voir, vous allez le remarquer. Et puis, bien entendu, lui, quand il va commencer, il a une très très belle voix, une voix un peu grave, et il commence toujours avec une introduction bien étudiée, bien. C'est vraiment un phénomène, c'est un phénomène. Moi, je l'aime beaucoup, je ne vous le cache pas. Je l'ai écouté des milliers de fois. Voilà, ça, c'est Yanni. Donc, je continue toujours, j'ai pas encore terminé mes 382 musiques. Vous allez trouver ça, tout ça, vous allez le trouver dans un PDF, un petit PDF avec un lien de cette histoire de vidéo. Et puis, vous allez vous régaler. Je pense que vous n'allez pas, bien sûr, le regretter. J'espère pour vous. Ok? Moi, je vais passer à autre chose. Je vais à la playlist. Hein. Vous avez dans le menu de YouTube, vous appuyez sur la playlist et vous allez entrer dans la playlist. Voilà. On est dans la playlist. Et la playlist, elle est catégorisée par des mots-clés. Par exemple, In His Purest Form, ça c'est un mot-clé. Live at Royal Albert Machin. Si vous cliquez ici, vous allez être seulement dans In His Purest Form. Ici, c'est seulement dans le Royal Albert. Ici, c'est dans l'Acropolis. Etc. Ici, at home. Et ici, classic performance. Ici, récent. Donc, vous choisissez si, par exemple, ça vous dit de cliquer sur une classic performance, vous allez trouver rien que les performances, pas autre chose. Et ce chiffre-là, par exemple, ici, dans Yanni in a conversation with Yanni at his piano, c'est il y en a 33. Là, il y en a 2, là, il y en a 8, etc. Là, c'est 47, il y en a 0 official. Music vidéo, voilà, etc., etc., etc. Et puis, là, bon, je vais voir, communauté, est-ce qu'il y a quelque chose, parce que c'est pas toujours là, voilà. Bon, il écrit des trucs, vous pouvez bien sûr traduire, et tac, voilà, c'est traduit, vous pouvez savoir ce qu'il dit, et lire la suite, etc. Voilà. Ça, c'est plus
intime avec, c'est ce qu'il dit à sa communauté, les gens qui le suivent de très très près. C'est extraordinaire. Il a consacré une musique pour la mémoire de sa mère. Vous allez le découvrir. C'est très très simple. Ici, c'est la description. Cette description, il se résume en statistiques actives depuis 17 décembre 2007. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de se mettre sur YouTube gratuitement. C'est 482 670 364 vues. C'est énorme. C'est énorme. Et là, bon, vous pouvez traduire ça pour voir ce qu'on raconte sur lui. Voilà, donc, le site officiel, c'est ça. Et le fan club de la communauté Yanni. Vous allez tomber sur une vidéo. Et vous allez regarder tout ce que, ben, si vous avez le temps, bien entendu. Ok, mais c'est des morceaux qui ne sont pas très longs, trois minutes. Mais attendez, hein, c'est un grand orchestre muni de instrumentalistes aussi grand que Yanni. Il faut pas se leurrer. Là, vous êtes dans la cour des grands. On ne joue pas, on ne badine pas avec ce qu'il fait. Ok? Voilà, donc, mais ce petit morceau, c'est vraiment c'est extraordinaire, c'est un régal. 7 minutes, etc., etc. Voilà, mais je pense que j'ai fait le tour. Vous êtes ici avec Yanni, in his purest form. Du album, et puis vous allez bien entendu voir tout ça. Vous voulez commencer par l'accueil, vous le faites. Vous voulez regarder, je vous envoie le lien de vidéo. Vous voulez passer par la playlist, vous le faites, etc. Cette vidéo vous a été proposée, suggérée par hashtag partage ma chaîne qui s'occupe de partager avec vous les meilleures formations, les meilleurs tutos et les meilleurs sujets sur tout ce qui se fait sur le web. Et si je vous ai montré, moi, Yanni, c'est qu'il y a un travail derrière. Je vous ai expliqué comment il travaille, donc vous pouvez peut-être vous inspirer de ce qu'il sait faire, regardez-le, observez-le, et je suis sûr que vous allez en tirer des enseignements incroyable. Voilà. Et n'oubliez pas, bien entendu, de liker, de commenter, de partager et de vous abonner dans le cas où vous n'êtes pas encore. Merci et à demain.